Je m'appelle Thierry Vincent et nous sommes le 23 octobre 2010. Le Moulin Bleu qui commence maintenant est en quelque sorte la 13e heure du Moulin à Parole qui a eu lieu à Québec les 12 et 13 septembre 2009. 13e heure parce que le Moulin à Parole s'étendait lui sur une douzaine d'heures. Il y a eu grosso modo deux représentations ininterrompues et mises bout à bout de manière à tenir le terrain durant 24 heures. Le Moulin Bleu se présente donc comme une sorte de suite. 13e heure aussi parce que le Moulin à Parole, tout varié et vaste qu'il soit, n'a pas réussi, du moins à mon sens, à toucher à tout ce qui fait la littérature québécoise. Quatre grands manques me sont apparus. La tradition orale recueillie et transcrite. Il n'y a pas eu un mot sur Tigeant, qui est notre héros populaire fondamental. La littérature ésotérique, qui selon moi est un vaste terrain exploré et à étudier. Quelque chose que j'ai de la difficulté à définir, mais qu'on pourrait tenter de résumer par l'expression malhabile de « théâtre de la folie », mais bon, on me reprendra là-dessus. Pensez à Gauvreau et à tout ce qui délire un peu dans l'imaginaire, surtout au théâtre peut-être. Et surtout, quatrièmement, toute la science-fiction, avec ce qu'elle peut apporter de regard en avant et de regard sur demain. En homo commençant, et comme d'habitude, la représentation qu'on s'est faite nous-mêmes cette fois-là a exclu tout ce qui se rapproche un peu trop de l'imaginaire pur, nous privant ainsi de toutes celles de nos visions qui ont le malheur d'être un peu trop détachées du réel. C'est pas là une critique amère du Moulin à Parole qui a réussi le grand, l'immense exploit de reconquérir de manière pacifique et par des textes le plus souvent tranquilles la bataille des plaines d'Abraham, un épisode sanglant et surtout viscéralement consternant de notre histoire. Les derniers mots qu'on lit dans le journal de Montcalm, terminés par une main anonyme, sont ceux-ci. « Je n'ai plus que des malheurs à écrire. 20 fois j'ai pris la plume, et 20 fois la douleur l'a fait tomber de mes mains. Comment me rappeler une suite d'événements aussi assommants? Nous étions sauvés, et nous sommes perdus. » Ceux qui étaient au Moulin Parole, tout comme ceux qui l'ont suivi en direct à la télévision ou sur Internet, ont peut-être ressenti la même chose que moi. Il y avait là quelque chose qui ressemblait à un lent exorcisme psalmodié. Cette accumulation de chansons, de lectures de poèmes, d'extraits de romans, de pièces de théâtre, de journaux et de lettres intimes, de discours, d'articles et même de recettes de cuisine, donnait l'impression d'avoir pour but de chasser quelque chose d'informe et d'innommé, d'innommable, mais qu'une reconstitution historique avec armes et costumes d'époque aurait très cruellement mis en lumière. J'ai donc perçu l'exercice du Moulin à Parole comme un long et tranquille regard porté vers l'arrière. Alors, en sortant de là, je me suis dit, « Bon, eh bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder en avant. » Ma première idée en sortant de là consistait à lancer une idée très ambitieuse et que d'autres que moi, infiniment mieux placés que moi, auraient réalisé à ma place, d'organiser pour le 250e anniversaire de la chute de Montréal, qui a eu lieu le 8 septembre dernier et qu'à peu près personne n'a souligné, une sorte de pendant futuriste du Moulin à Parole. À l'écrit, on aurait opposé l'oral. Au fixé, on aurait opposé le spontané. À ce qui faisait de notre culture quelque chose d'universel, on aurait opposé un de ces petits quelque chose qui font notre originalité à nous, un jeu de création devenu depuis universel, mais inventé ici. Mon idée était que quelqu'un devait organiser la plus longue improvisation collective de l'histoire. Titre, le Québec indépendant, fresque historique. Nombre de joueurs, limité à 1000. Mais de toutes les équipes et de toutes les ligues, de tous les pays. Catégorie mixte. Durée 24 heures. Évidemment, ce n'était qu'un rêve, un fantasme, et d'ailleurs, il avait été ridiculisé par les quelques personnes à qui j'ai osé en parler. On m'a même laissé entendre que les joueurs de la Ligue d'impro étaient plutôt frileux quand il s'agissait d'aborder la question nationale. J'avoue que ça m'a surpris. À force d'écouter René Daniel Dubois, j'étais convaincu que tous les artistes québécois, les auteurs de science-fiction mis à part, bien sûr, étaient des indépendantistes, des purs et durs, des fanatiques. Eh bien, il faut croire que non. L'indépendance du Québec n'est pas un tabou que pour les auteurs de science-fiction québécois. Si j'insiste sur leur cas, c'est que ce sont les premiers artistes au monde, selon moi, qui devraient se pencher sur cette question. La science-fiction, c'est avant tout l'étude du rapport entre un individu et une société, avec l'un de ses corollaires, la description par un auteur de l'avenir de sa société, ou de sociétés qui sont des allégories de la sienne, ou de sociétés appartenant à des histoires parallèles montrant ce qui aurait pu être si l'histoire avait été différente. Selon cette définition, on ne peut se dire que deux choses. Tout d'abord, que les mieux placés pour inventer un Québec indépendant, ce devraient être les auteurs québécois de science-fiction.
Ensuite, que si au Québec, il s'écrit 10 textes de science-fiction, il devrait y en avoir au moins un ou deux qui explorent le thème de l'indépendance. Un ou deux, au moins, qui se donnent pour tâche d'imaginer ce Québec indépendant, pur fantasme, pur objet d'invention, où tout, tout, tout est à ciseler. Mais, il faut le dire et le répéter, nous sommes conquis. Nous sommes des survivants. Un survivant, ça ne se montre pas. Ça se camoufle, ça se cache, et ça ne se sent vraiment en sécurité que quand ça ne se perçoit plus soi-même. Voilà peut-être ce qui explique le très faible nombre de textes de science-fiction québécois qui parlent sans détour de l'indépendance du Québec. Bon, à l'aide de l'analyse structurale, on peut toujours très souvent trouver le thème là, en sous-genre, mais sans que ça soit assumé par l'auteur. Il y a un bon quart de siècle que je m'intéresse à la question en tentant de ramasser à peu près tout ce qui traite du thème sous une forme littéraire. Puis, j'ai pas effectué d'études systématiques pour établir la liste que vous allez entendre ce soir. Disons que je vous offre le point de vue de quelqu'un qui s'intéresse à la chose et qui va essayer d'agripper tout ce qui va tenir un peu le devant de la scène publique, ne serait-ce que brièvement. Mais malgré ça, bon, il est évident que certains textes, pour toutes sortes de raisons, ont été écartés. Je compte une demi-douzaine de textes que j'ai pas mis. Bien d'autres textes aussi ont dû échapper à mon attention, je dois ne pas les connaître du tout. Combien de ces textes parlant d'indépendance je ne connais pas du tout? Une vingtaine? C'est toujours possible. Une cinquantaine? On ne sait jamais. Les catacombes de notre littérature possèdent un grand nombre de galeries insoupçonnées. On trouve sans arrêt des nouvelles choses. Une centaine de textes parlant sur l'indépendance que je ne connaîtrais pas? Ça m'étonnerait beaucoup. Tout ça pour vous dire que les extraits que vous allez entendre maintenant sont tirés de ce qui forme, selon l'état actuel de mes connaissances, l'essentiel de ce qui s'est écrit sur la question en 175 ans de production littéraire. Soyons généreux. Disons la moitié de l'essentiel de ce qui s'est écrit sur le thème de l'indépendance du Québec dans toute notre littérature d'imagination. On m'a reproché, avec raison, la pauvreté de style de ces textes-là. Si nous avions eu l'embarras du choix, croyez que j'en aurais choisi bien meilleur. Ce ne sont pas des textes que j'ai choisis pour leur forme, mais pour leur fond. Ils appartiennent à toutes sortes d'approches, si on veut, et ils se projettent habituellement dans un futur plus ou moins lointain. En fait, il faut le spécifier, jusqu'en 1980, les textes se projettent dans un futur de moins en moins lointain. On commence par un avenir indéterminé, comme on va le voir. Ensuite, peut-être au-delà d'un siècle, et puis ensuite, on se projette 100 ans dans le futur. Ensuite, c'est 50 ans dans le futur, 15 ans dans le futur, 10 ans dans le futur, 1 an dans le futur. On s'approche de quelque chose. Puis, après une étrange date butoir, qui est celle du 24 juin 1980, une date butoir qui était déjà pressentie un siècle auparavant, comme on le verra, on repousse le mirage, et là, cette fois, de plus en plus loin. Là, c'est 10 ans dans le futur, après 1980. Ensuite, 20 ans dans le futur. Ensuite, 35 ans dans le futur. On en est à peu près là, aujourd'hui. Une autre tendance doit être indiquée maintenant, ici plutôt. Il n'existe encore fondamentalement que deux manières d'aborder la question de l'indépendance du Québec. Une vision que j'appelle angélique et une vision que j'appelle désespérée. La vision, c'est ça que vous allez voir ce soir, la vision angélique, lumineuse, pacifique, un peu trop facile peut-être, fait de nous rien de moins que ceux qui conquerront le monde par la douceur. Nous dénouons tout doucement les chaînes qui nous écrasent, avec, disons, la patience et la bonhomie que demanderait le désemmêlement de quelques dizaines de pelotes de laine, et tout naturellement, le patient désemmêlement provoque par effet domino, et un peu par magie, il faut le dire, le dénouement de tous les conflits mondiaux. Donc on se libère tout doucement, et là, la paix tombe sur la terre. L'autre vision est toute faite de fer et de boue, et à ce fer s'ajoute le béton, à la boue le sang. Tout va alors très vite. On est acculé au pied du mur, on prend les armes, un peu à contre-cœur, on entre dans la cour des grands, les grands nous remarquent, on est fait. Cette dichotomie-là trahit la pauvreté d'un genre qui doit, selon moi, évidemment, être exploré. C'est ma thèse. La première étape de l'indépendance du Québec passe par la création du plus grand nombre possible de portraits imaginaires d'un Québec libre. Quand le nombre de portraits imaginaires de notre pays sera assez important pour que n'importe qui dans la rue puisse en citer trois de mémoire, ben je pense que la chose va être derrière nous et que ça va être fait. Mais pour créer, il faut commencer par savoir d'où on vient. Je vous souhaite un bon voyage.